Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Peuple de Dieu du Cameroun. People of God of Cameroon. Et d'ailleurs. And elsewhere. Vous tous réunis en ce lieu ce matin. All of you gathered in this place this morning. J'ai reçu une grâce venue personnellement du Seigneur. I received a grace coming personally from the Lord. Pour introduire et appeler sur ce pupitre. To introduce and call on this altar. Une personne remarquable. A remarkable person dans le monde entier, in the world, qui a fait un impact dans le monde, that had an impact in the world, et qui continue encore à impacter le monde, and that keep on impacting the world, qui n'est pas seulement un pasteur, un prophète, that's not only a pastor, a prophet, mais qui est un évêque élu et établi aux États-Unis, that is an elected bishop established in USA. C'est une personne qui a une grâce de Dieu incroyable. It's somebody that has an incredible grace of God. T'as pas besoin de te prendre de zéro et faire de toi un héros. Able to take you from zero and make you an hero. C'est un évêque. It is a bishop. C'est un prophète. It is a prophet. C'est un docteur. It is a doctor. Pas docteur de la parole seulement. Not doctor of the word only. C'est un docteur parce qu'il a trois doctorats. He is a doctor because he has two PhDs. C'est un pasteur. He is a pastor. Évangéliste au pair. Evangelist. Avec des miracles incroyables. With incredible miracles. Et pour finir. And to end on. C'est un général de Dieu. He is a general. Notre papa. Our father. Est-ce que ce matin on peut célébrer et acclamer le Seigneur? Pendant que j'appelle sur ce pupitre, le surintendant des églises catholiques de la foi, est-ce que tu peux célébrer et pousser les cris de joie? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Le diable va faire pipi dans son pantalon. The devil is going to ease himself in his trousers. Quel que soit ce qui a arrêté ta vie, no matter that will stop your life, avant la fin de cette semaine, before the end of this week, Dieu va juger la maladie dans ta God famille. Is going to judge sickness in your family. Dieu va juger la souffrance que tu as traversée. God is going to judge the suffering you went on. Si tu dis amen plus fort, tu reçois avant. Je prie et je prophétise. I pray and I prophesy. Cette convention ne finira pas si tu n'as pas un témoignage this dans tes mains. Convention shall not end up if you don't have a testimony in je your hands. Je n'aime pas ta manière de dire amen dans un stade. On n'est pas à l'église. On est dans church. Un stade. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comme le joueur a le ballon et que les spectateurs crient fort, c'est que le pied est sur le point d'entrée. J'ai le ballon de ta destinée ce matin. J'ai le ballon de ton miracle ce matin. J'ai le ballon de ta délivrance ce matin. Si tu cries fort en acclamant pour Jésus, quelque chose de bien va t'arriver. Ta destinée va changer. Ton histoire va changer. Ta bénédiction va arriver. Quelqu'un dit yes. Yes. Asseyons-nous une minute, s'il vous plaît. Let us have a minute seated. Enfin, finally, nous commençons quelque chose qui va mettre hors d'état de nuit toutes les forces mystiques qui attaquaient le Cameroun
et ta famille. Something that will put destroy all the mystical forces that attack your family in Cameroon. J'ai la ferme conviction. I have the firm conviction. Que cette semaine on va entendre une nouvelle dangereuse contre Boko Haram. We shall hear a dangerous news against Boko Haram. J'ai dit contre Boko Haram. I say against Boko Haram. Quelque chose va arriver avant dimanche prochain. Something will happen before next Sunday. La CIA TV va parler, Canal 2 va parler, RFI va parler, CNN va parler, les télévisions internationales vont parler. Si tu dis Amen fort, c'est à toi que je suis en train de parler. Ce matin, j'ai une parole pour vous laisser revenir le soir. J'ai la lourde responsabilité de préparer le terrain. I have a huge responsibility to prepare the plan. Et laisse-moi te dire. And allow me to tell si you. Si tu saisis le message de ce matin. If you grasp the message of this morning. Tu vas vivre chaque moment de ce programme comme un moment de délivrance totale. You shall live every moment of this program as a moment of total deliverance. Avant que je ne donne le message de ce matin. Before I give the message of this morning. S'il vous plaît. Please. Il y a 2000 ans, un homme qui était plus jeune que moi, a man that was younger than me, il avait 33 ans, he was 33 years et je old, suis à 37 ans. And I am on 37 years old. Cet homme, that man, cet homme est mort sur la croix. Died on the cross. Il n'avait jamais menti, he never lied, jamais volé, he never stole, jamais triché. He never cheated. Il ne s'était jamais mis dans des problèmes avec les autres. He never put himself in trouble with others. La Bible déclare, the Bible declares, c'est par nos péchés qu'il a été crucifié. Through our sins, he was crucified. C'est à cause de nos offenses qu'il a été humilié. It is because of our offenses, he was humiliated. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. The chastisement that gives us peace fell upon him. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. And by his wound, we are healed. Il était semblable à un agneau. He was looking like a lamb. Qu'on amène à la boucherie. That they brought to the slaughter. À une brebis devant ceux qui l'attendent. For him. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. His looking has nothing to please us. Cependant, but, cependant, meanwhile, ce sont nos péchés qu'il a portés. It is our sin that he carried. C'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. His, our suffering, he took it. Que Dieu punisse le diable. Let God punish the devil. Comment Jésus peut porter ma souffrance et je souffre encore? How can Jesus put on my suffering and continue to suffer? Que Dieu punisse le diable. Let God punish the devil. Comment Jésus? How can Jesus peut porter ma maladie et la maladie là encore dans mon corps? My sickness, that sickness is still in my si body. Tu lèves ta main droite, if you lift your right, et tu dis fire, toute souffrance que Jésus a portée disparaît de ta vie. Aïe, 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 aïe. Lève ta main et crie fire. Du fire. Du fire. Levez-vous s'il vous plaît. Have your seat, please. Je veux qu'on chante ce cantique qui dit I want us to sing this song that à says, toi la gloire au ressuscité. To you the glory, oh, allez, à toi la gloire. 1, 2, 3, chant. Ressuscité. A toi la gloire, tout le monde. Verset 11. Remain standing.
something and open your Bible in 1 Peter chapter 4 verse 11. 1 Pierre chapitre 4 le verset 11. 1 Peter chapter 4 verse 11. Nous allons lire un verset dans la Bible. We are going to read a verse in the Bible. Et quelque chose de puissant va arriver dans and ta vie. And something powerful is going to happen in your life. 1 Pierre, nous bénissons Dieu pour le beau temps que nous avons. We bless God for the good weather we have. Quelqu'un dit amen. Somebody says amen. Si tu ne remercies pas Dieu pour le bon temps, le soleil va se lever sur ton visage seul. If you don't thank the Lord for the good time, the good weather, the sun shall come upon your face alone. Quelqu'un dit amen. Somebody says amen. 1 Pierre chapitre. Ouais, le. Oui, mon. Laetitia est où? Where's Laetitia? 1 Pierre chapitre 4, le verset 11. 1 Peter chapter 4, verse 11. J'aimerais que quelqu'un nous lise ce merveilleux passage de l'écriture. I want somebody to read oh, us. Laissez-moi le lire. Si quelqu'un parle, if somebody speaks, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. As announcing the oracles of God. Si quelqu'un parle, if somebody speaks, qu'il parle comme un oracle de Dieu. Let him speak as an oracle of God. Fermez vos Bibles. Close your Bible. Lève ta main droite. Lift your right hand. Dis Père, ouvre mon esprit ce matin. Pour saisir la profondeur de ta parole. Au nom de Jésus, dis amen fort. Assois-toi dans la présence de Dieu. Have your seat in God's presence. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur. Ladies and gentlemen, brothers and sisters in the Lord. L'épître de 1 Pierre est considéré comme faisant partie des épîtres générales. The epistle of Peter is considered as the one doing of a general epistle. À la différence des épîtres pauliennes, to the difference of Apollian epistles, il traite des sujets généraux concernant l'Église, la vie chrétienne et la société. Dealing with general topics that concern the society life. L'auteur de cette épître c'était l'apôtre Pierre. The author of this Apostle Peter. Son nom c'était d'abord Simon Pierre. His name was Simon Peter. Le fils de Jonas. The son of Jonas. Et il avait pour frère un certain homme appelé André. And he has as a brother a man called Andrew. Les deux étaient disciples de Jésus-Christ. Both of them were disciples of Jesus Christ. Cet homme habitait avec sa belle. En fait, cet homme vivait à Capernaum. That man was living at Capernaum. Et il était originaire de Bethsaida. He was coming from Bethsaida. Depuis le jour de son mariage. Since the day of his wedding. Sa belle-mère ne lui avait jamais rendu visite. His mother-in-law never visited him. Parce que sa belle-mère demandait qu'est-ce qu'il a fait à sa fille. Pour qu'est-ce que sa fille a bu pour épouser un pauvre nulard échec comme Pierre. Because his mother-in-law was asking her. As he done to get married to a failure like him. Mais le jour il rencontra Jésus. But the day he encountered Jesus. Après avoir encore échoué dans la pêche. After having failed in fishing. Il a eu une pêche à bord extraordinaire. He had an extraordinary fish. Où les filets se rompaient. At such a point net were breaking. Dès que la belle-mère a pris la nouvelle. When the mother-in-law learned the news. Que Pierre est devenu multimilliardaire en pêche. Jesus became a multi-billionaire in fishing. Elle a déménagé de son village pour aller chez son beau-fils. To go to her. Et elle est restée chez son beau-fils pendant tout ce temps. She remained at son-in-law for a long time. Avant de continuer d'expliquer, before continuing, je vais parler à quelqu'un. I'm going to speak to somebody. Après ce programme, after this program, la belle famille qui t'avait rejeté viendra te célébrer. That rejected, shall come and celebrate. Ta manière de dire amen, c'est comme si tu n'as pas de belle famille. As if you don't have a family in law. Après ce programme, after this program, toute personne qui t'a rejeté, every person that rejected qui t'a méprisé, that despised qui t'a minimisé, that decreased si tu lèves la main, tu dis amen fort, la personne va te célébrer demain matin. La personne va te célébrer demain matin. Quelqu'un dit yes. La Bible déclare. The Bible declares. Cet homme était un fou de Dieu. This man was a de caractère extraverti. Extraverti character. Il vivait à Capernaum. He was living at Capernaum. Et la Bible déclare dans Actes des Apôtres chapitre 12. And the Bible declares Acts of Apostles chapter 12. Il était l'une des figures emblématiques de l'Église. He was one of
emblematic figure of the church. Erreur de l'ennemi de l'église. Erreur the enemy of the church. S'était levé et avait tué l'apôtre Jacques. Woke up and killed the apostle James. Et la Bible déclare, voyant que cela plaisait aux Juifs. The Bible declared, looking that it pleased the Jews. Il fit arrêter Pierre. He made Peter to be caught. Et il était sur le point de le tuer. He was about to kill him. Je me suis toujours posé la question. I always asked myself the question. Pourquoi est-ce que Erreur? Why does he n'a rest? Pas tué Pierre le même jour. Didn't kill Peter the same day. Il a tué Jacques dès qu'il l'a attrapé. He killed Jacques the same day he caught mais him. Quand il a attrapé Pierre, ne l'a pas tué du coup. Didn't kill him that qu'est-ce night. Qui s'est passé? What? Et le Seigneur a ouvert mes yeux pour me faire comprendre que Pierre était une figure emblématique de la société. Le verset 12 déclare qu'il attendait, il voulait faire comparaître Pierre devant les Juifs. He wanted to make Peter to go in the queue of the crowd. Il y a des gens qu'on peut tuer en secret. There are people that are killed in the secret. Il y a des gens qu'on peut tuer, il faut d'abord tuer leur image. There are people for them to be killed, you have to kill their image first. On peut t'arrêter toi et on te met en condamnation, on te tue sans que personne ne sache que quelque chose s'est passé. They can come to and kill you without people knowing what happened. Mais demandez à chaque gouvernement. But ask to each government. Lorsque même un chef de parti d'opposition. Even a chief of party, politics. Un leader d'opinion. And a leader of opinion. Lorsqu'il a même mal à la tête, le gouvernement va le soigner. When he has an headache, the government is going to heal parce him. Parce qu'on a peur que s'il meurt, on va dire que c'est parce que il parlait contre ceci, il parlait contre cela qu'il est mort. Because they are afraid that if he died, they're going to say because he was talking against this, because he was talking against mais that. Mesdames et demoiselles, messieurs. Ladies and gentlemen. Je suis venu annoncer à quelqu'un. To announce to somebody. Ce n'est pas parce que le sorcier l'a tué ta soeur. It's not because that wizard killed your sister. Parce qu'il a tué ton oncle. Because he killed your uncle. Qu'il va réussir à te tuer. He's going to succeed to je suis venu te rendre un leader spirituel dans and ta famille au nom de Jésus. Spiritual leader in your family in Jesus. Est-ce que tu sais que ton amen là peut provoquer le miracle instantané? You know that your amen can provoke je suis venu déclarer à quelqu'un. I've come to declare to somebody. Toute personne qui complote ta mort. Everybody that plots your death. Avant l'exécution, un ange va apparaître que te fait sortir de la situation. Before an execution, the angel shall appear and make you out from c'est that comme situation. Si je n'ai pas le bon peuple ce matin. As if I don't have the right people. Je dis, je déclare. I say, I declare. Partout on a comploté ta mort. Everywhere they plotted your death. Comploté un problème sur ta vie. Plotted the problem upon your avant life. Avant l'exécution. Before the execution. Je libère l'ange de la libération. The angel of deliverance. Reçois l'ange de la libération. The angel of liberation. Si tu dis amen fort, lundi tu vas voir un miracle arriver. Declare fire! 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 Yeah, 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 les pistes que vous venez d'écouter. The pistol you have just listened to. Est écrit en l'an 62 après Jésus-Christ. Was written in the year 62 after Jesus Christ. Pierre était à Babylone à cette époque. Peter was at Babylon at that time. Il était quitté Jérusalem. He left Jerusalem. Et il commençait à manifester son onction apostolique chez les Juifs. He started manifesting his apostolic anointing to the Jew people. Et il va écrire les pistes de Pierre accompagné de son secrétaire général particulier qui s'appelait Sylvain. He's going to write the Peter of peace accompanied by the general secretary that was called Sylvain. Au moment où cette épître est écrite, when that epistle is written, une grande persécution sévissait dans l'église. A great persecution was taking place in the les church. Les chrétiens étaient malmenés. Christians were malmenés. Les chrétiens étaient chassés. People were chased. Philippandés. They were sent off. Les chrétiens étaient considérés comme les rebuts de la société. The Christian was considered as the cast down of the society. Lorsque tu réussissais un concours, when you succeeded at an exam, et qu'un moment où tu veux passer à l'oral, and when you want to go to the speaking et que tu dis que tu es born again, and you say you are born again, directement ton nom sera rayé de la liste. Directly they shall remove your name from the list. Parce qu'on avait un oral et born again. Because they had the born again. C'était une société qui ressemble à la nôtre aujourd'hui. It was a society that looked like the one of us. Et Pierre, dans son rôle apostolique, and Peter in his apostolic role, va décider d'écrire aux chrétiens. Will decide to write to the Christians. Pour leur donner des recommandations précises. Give them precise recommendations. Le constat était clair. The constat was clear. La puissance du christianisme semblait diminuer. The power of Christianity seemed to be decreased. Ce que lui il avait vu. What he saw. Ce que Jean avait vu. What James saw. Ce que les Paul avaient vu. What Paul saw. On ne voyait plus ça dans
dans les églises aujourd'hui. Il y avait un manque de puissance. There was a lack of power, un manque d'autorité. A lack of authority, un manque de respect. A lack of un manque de force. A lack of strength. Et l'apôtre Pierre va demander à Sylvain, prends la plume et écris ceci. Parce que la chose que je vois là, because that thing I see, ce n'est pas exactement ce que le maître nous avait laissé. It's not exactly what the master left to us. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ladies and gentlemen, au verset 11, verse 11 du chapitre 4, chapter 4, il va toucher le nerf de guerre. That is the man of the qui constituera le thème de mon message. That shall constitute the theme. L'apôtre Paul va dire, Apostle Paul is going vous to parlez say, trop pour rien. You speak a lot for mais nothing. Si quelqu'un parle, somebody que ce soit comme un oracle de Dieu. Si quelqu'un parle, qu'il parle comme oracle de Dieu. Frères et sœurs, je suis en train de mettre un point. Je mets mon doigt sur un terrain dangereux. La raison pour laquelle les chrétiens aujourd'hui n'expérimentent pas la puissance. Je vais te montrer pourquoi. Tu viens dans les conventions et tu repars, ta vie ne change pas. Je vais te dire pourquoi. En moins de 40 minutes. Pourquoi malgré les messages puissants. What is by the powerful messages? Ta destinée est toujours en location. Your destiny is always in rent. C'est-à-dire que tu n'es pas propriétaire de ta destinée. You are not the owner of your destiny. Ta destinée est en location. Your destiny is in rent. Quel que soit le bailleur, no matter the landlord, qui a pris contrôle de ta destinée, took your throne and your destiny. J'arrache ça de ses mains et je le remets I dans ta vie. From your hand and put it back in je your déclare life. Ce matin, I declare this morning, personne ne te dictera quand tu dois te marier. Personne ne te dictera quand tu auras l'argent. Si tu dis amen fort, tout ce que tu déclares arrive là. Amen. Quelqu'un dit oh Dieu, ouvre mes yeux ce matin. Si quelqu'un parle, if somebody speaks, que ce soit comme un oracle de Dieu, let it be like a oracle of God. Tout le thème de mon message, what the theme of my message, oracle divin, divine oracle, la puissance de l'oracle, the power of the oracle, la puissance de l'oracle, the power of the oracle, la puissance de l'oracle, the power of the oracle. Frère, brethren, je ne parle pas de la puissance du pasteur. I'm not talking about the power. Je ne parle pas de la puissance du prophète. I'm not talking about the power. Je parle de la puissance de l'oracle. La première question qui vient à l'esprit. The first question that comes in the spirit. Qu'est-ce qu'un oracle? What is an oracle? Qu'est-ce qu'on entend par oracle? What do you mean by oracle? Frère, brothers, le dictionnaire Larousse, the Larousse dictionary, va définir l'oracle to define an oracle comme étant une personne like somebody qui parle de la part de la divinité from divinity et transmet des informations à l'humain. And transfer information to human. Un oracle, an oracle, c'est une personne choisie par Dieu is a chosen person pour parler de sa part to speak from God aux hommes qui le ressemblent. To men that look like him. Un oracle, an oracle, c'est une personne comme toi et moi qui a été sélectionnée par Dieu pour être mise à part to be put aside et de communiquer la pensée de Dieu dans ta vie. L'apôtre Pierre va dire la raison pour laquelle l'église est en train de chuter, the church is falling, c'est parce que les gens ne parlent plus it's because people no more speak comme des oracles de Dieu. La prière pour toi ce matin, c'est qu'avant que je ne finisse ce culte, before I end up this service, que tu sois l'oracle de Dieu de ta famille au nom de Jésus. Si tu dis amen fort, le message là va te toucher. Quelqu'un dit fire, fire, du fire, du fire, 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 fire. L'oracle de Dieu. Oracles of God. Écoutez-moi bien. Listen to me very well. La raison pour laquelle the reason for which nous sommes là où nous sommes, we are where we are, c'est parce que nous avons perdu la notion de l'oracle. Because we lost the meaning of oracle. Personne ne contredit un oracle. Nobody doesn't agree with an oracle. Hey, hey, vous n'êtes pas des gouttes de sainteté tombées du ciel. You are not drop of holiness falling from heaven. Certains d'entre vous dans vos familles, some among you in your family, vous aviez des
Orak. You had oracles. Des marabouts et des sorciers. You had native doctors and sorcerers. Qui parlaient au nom des ancêtres. That spoke on the name of ancestors. Et qui vous dictaient ce que vous devez faire. And that were telling you what you have to do. Dans les villages aujourd'hui. Villages today. Il y a des hommes et des femmes. There are men and women. Qui sont comme des oracles de crânes. That are like oracles of strong. Tu vois les gens qui te Yaoundé Douala. You see people living Yaoundé Douala. Tous les vendredis soirs. Every Saturday. Pour retourner au village et consulter l'oracle afin que ses affaires de Douala avancent, afin que son travail à Yaoundé avance. Tout homme sur la terre a besoin d'un oracle s'il veut avancer dans sa vie. Si tu n'es pas chrétien, tu as besoin d'un marabout. Si tu es chrétien, tu as besoin d'un prophète. You need a prophet. Ce matin, this morning, je déclare, en tant que l'oracle de ton Dieu, ta destinée va briller à partir de ce mois. Ta destinée va briller à partir de ce mois. Tout ce que tu as prié sans avoir. Écoutez-moi bien. Listen to me very je ne suis pas à l'église. I'm not in the church. Je suis dans un terrain de football. I'm in a lot of football. Ne confonds pas celui qui est ici, celui qui est à l'église. Don't confuse the one in the church and the one nous sommes right dans here. Une atmosphère saturée. We are in a saturated atmosphere. Donne-moi le amen de l'église. Let the amen of the donne-moi church. Le amen du stade. Give me the amen of the je church. Je déclare dans ta vie. I declare in your life. By fire, by force. Par le feu et par la force. Les prières que tu as élevées devant all Dieu. Et qui n'ont jamais été exaucées. Avant la fin de cette convention, mon Dieu va te répondre par le feu. Mon Dieu va te répondre par le feu. Mon Dieu va te répondre rapidement. Il y aura accélération dans ta vie. Il y aura accélération dans ta vie. Il y aura accélération dans ta vie. Il y aura accélération. Au nom de Jésus. Dis amen trois fois et tu saisis la parole. Si tu dis amen trois fois plus que ton voisin, tu arraches pour ton voisin. Quelqu'un dit oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Ne me traverse pas aujourd'hui. Ne me traverse pas aujourd'hui. Écoutez-moi bien. Listen to me very well. Personne ne conteste avec l'oracle. Nobody contests with the oracle. Dieu m'a montré. God has shown me. Que la manière dont le peuple reçoit son envoyé. The way the people receive his sender. Abagada. Les gens ont posé la question à Jésus. People ask the question to Jesus. C'est quoi la volonté de Dieu? What is the will of God? C'est quoi la volonté de Dieu? What is the will of God? Ils attendaient que Jésus sorte le grec, le latin et l'hébreu. They were expecting Jesus to come out the Latin, the Hebrew and the Greek. Et Jésus a répondu. And Jesus answered, la volonté de Père. The will of the Father. C'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. That you believe in the one he has sent. Zekata. La volonté de Dieu. The will of God. C'est de croire. Is to believe. À celui qui l'a envoyé. In the one he has sent. Peut-être que tu ne me regardes pas bien. You don't look at me very well. Peut-être que c'est ma demi-saison qui te fait me contempler aujourd'hui. This is my half season and make non, je ne suis pas venu comme top modèle. Je suis envoyé par Dieu pour toi ce matin. Je suis envoyé pour changer ta vie. Je suis envoyé pour projeter ta vie. Et je déclare les 90 personnes qui vont se lever et sauter les premiers reçoivent un changement. Reçoivent un changement. Reçoivent un changement. Quelqu'un de fire. Quelqu'un de fire. Frère. Brethren, as-tu vu ta grand-mère? Have you seen your grandmother? On ne blague pas avec la parole de l'oracle. They don't joke with the word of the oracle. Pastor, pastors, on ne blague pas avec l'oracle. They don't joke with the oracle. Hey, hey. Il n'y a qu'à l'église que les gens blaguent avec les it's oracles. Only in the church that people joke with the oracles. On dit levez-vous, sautez, quelqu'un reste assis. They rise up, jump. Somebody remain sitting. Il dit. He said, le pasteur là croit que je suis encore jeune comme lui. The pastor believes I'm still young like him. J'ai déjà quand même 50 ans. Bien tapé. My 50 year ah! Il n'y a qu'à l'église. It is only in the church. Qu'on blague avec les oracles de Dieu. That they joke with the oracle of God. Un marabout.
peux te dire que lève les mains, tu dis que non, mes mains sont fatiguées. Can another doctor tell you raise your hand and you say my hands are tired? Il n'y a qu'à l'église. It is only in the church. Comme joue avec les oracles. That they play with oracles. C'est pour ça que la puissance de l'oracle est diminuée. That's why the power of the oracle is diminished. L'onction de l'oracle dans ta vie. The anointing of the oracle in your life. Est proportionnelle à ton respect vis-à-vis de cette onction. Is according to your respect to that anointing. C'est ce que tu respectes que tu attires. That which you respect that you attract. C'est ce que tu élèves qui descend sur ta vie. That which you lift that comes down in your life. Je déclare. Aujourd'hui, tu es condamné à être béni au nom de Jésus. Ton âme là m'intéresse déjà. Ton âme là commence à me plaire. Un oracle. An oracle. Il ne parle pas de lui-même. He does not talk about himself. Il parle à propos de Dieu. He talk about God. Il y a quelqu'un qui l'a envoyé. There is somebody that sent him. Mes frères et mes sœurs. My brethren and sisters. Personne ne verra Dieu. Nobody will see God. Personne ne verra les démons. Nobody shall see demons. Comment tu fais pour savoir qu'un démon est à l'œuvre? How do you do to see a demon working? C'est quand tu vois un possédé à côté de toi. When you see a possessed by your side. Comment tu fais pour savoir qu'un Dieu est à l'œuvre? How do you make to do God sing? Quand tu vois un homme de Dieu à côté de toi. You see a man of God by your side. Frère. Brethren. N'attends pas que Dieu descende pour te parler. Don't expect God to come down to talk to you. Il a des oracles sur la terre. Oracles on the earth. Et tu as le privilège d'écouter un oracle de and Dieu. You have the privilege to listen to an oracle. Je suis venu te dire. I've come to tell you. Avant la fin de ce mois. Before the end of this month. Ce que tu n'as pas touché depuis 10 ans. You didn't touch 10 years ago. Tu vas le toucher au nom de you Jésus. You have to touch it in Jesus' name. Écoutez-moi bien. Listen to me very well. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Écoutez-moi bien. Listen to me well. Je ne parle pas en comptant sur moi-même. I'm not talking on my behalf. De moi-même, je ne suis rien. Of myself, I'm nothing. De moi-même, je ne peux rien. For myself, I can't je suis même incapable de t'aider. I'm even unable to help mais you. Je parle avec assurance. But I speak with assurance. Parce que je connais en qui je crois. Because I know in which I believe. Parce que je sais qui m'a appelé. Because I know the one that called j'étais me. J'étais en train de mourir en 88. I was dying in 1988. Septembre 88. September 1988. Ma famille achetait le cercueil. My family was buying the song. Car il est apparu dans ma chambre. Et il m'a dit va. Tout ce que tu déclares, je vais l'accoucher. Depuis le jour là, l'onction a été respectée. Je déclare aujourd'hui, ton miracle ne t'échappera pas. Ton miracle ne t'échappera pas. Ta bénédiction ne t'échappera pas. Si tu as amené plus que ton voisin, tu prends pour ton. Assois-toi. Have your seat. Aïe. Aïe. Qu'est-ce qu'un oracle? What is an oracle? Tous les gens qui vont parler ici là. All the people that we speak here. Voilà comme les oracles de Dieu. See them like oracles of God. Arrête la petite camaraderie. Stop that friendship. Arrête de dire que non, c'est mon petit frère. Stop saying it's my love's brother. C'est mon ami. He's my friend. Je le connais. I know him. Frère. Brother. Aucun professeur agrégé d'université. No teacher at the university. Aucun professeur agrégé. No aggregate teachers in the university. Ne pas voir un marabout en présentant ses diplômes. Can go and see a native doctor showing his certificates. Même si le marabout ne parle pas bien français. Even if the native doctor doesn't know how to tout speak French. Tout ce qui va dire l'agrégé va obéir. All what is going to say the lecturer shall obey to it. Toi tu es là tu me regardes. You are there looking at me. Quand une mouche passe à côté de ta nourriture tu ne manges plus. When a fly passes over your food no more eat it. La dernière fois que tu étais chez le marabout là. The last time you went to that native doctor. Il n'a pas craché sur la sauce là. He did not spray on that soap. Il n'a pas tourné avec les ongles non lavés. He did not turn it with nail on watch. Ces dents ne ressemblaient pas aux dents de quelqu'un qui a été brossé quand Abraham allait sacrifier Isaac. Why not he still looking like the one that was sacrificed when Abraham sacrificed Isaac? Mais quand il a dit ouvre la bouche. When he said open your mouth. Sors la langue. Come out your tongue. Tu as fait ça. You did this. Il dit avale tout. He said swallow it up. Tu as avalé jusqu'à lui dire merci. You swallow it up till you say thank you. Add something. Pourquoi? Why?
parce que tu savais because you knew que c'est un oracle qui te parle. It is an oracle that was speaking qu'est-ce to you. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? What happens with you? Où as-tu mis ta tête? Where have you put your head? Peuple de Dieu. People of God. Ce n'est qu'à l'église qu'on joue à l'intelligent. It's not in the church that the stupid. Ce n'est qu'à l'église qu'on joue au sage. It's only in the church that you are j'ai like a wise. J'ai piétiné ton titre là. I swear that your title. J'ai piétiné ta noblesse là. That your nobility. Et je prophétise. Ton miracle arrivera. Ta bénédiction arrivera. Blessing will happen. Celui qui dit fire fall. Quelqu'un dit oui mon général. Oui mon général. Dis oui mon général. Oui mon général. Laissez-moi vous dire allow deux choses. Tell you two things. Un, qu'est-ce qu'un oracle? What is an oracle first? Et deux, comment approcher un oracle and pour recevoir un miracle? Come closer to an oracle to receive a miracle. Après, je vais prier pour vous. And I'm going to pray for you. Numéro un. Number one. Qu'est-ce qu'un oracle? What is an oracle? L'oracle. An oracle. Est un représentant d'une divinité. It is a representative of a divinity. L'oracle oracle représente une divinité. Represent a divinity. Que ce soit Dieu créateur, either be God the creator, ou les petits dieux du village, or the small god of the village. Un oracle ne parle jamais de lui-même. An oracle never talk about him. Un oracle parle toujours de la part de quelque chose de supérieur. An oracle always talk on the behalf of something superior. C'est pour ça que mépriser l'oracle, that's why despising the oracle, c'est mépriser celui qui l'a envoyé. Despising the one that sent him. Douter la parole de l'oracle. Standing on the word of an oracle. C'est douter la parole du Dieu qui est derrière lui. Standing the word of the God behind him. Oh my God. Oh mon Dieu. Je sens que c'est fort ce matin. I feel it is strong this morning. Frère. Brethren. L'oracle représente une divinité. An oracle represents a divinity. Il n'y a pas d'oracle sans Dieu. There is not oracle without God. Et il n'y a pas de Dieu sans oracle. And there is no God without oracle. Chaque Dieu communique par l'oracle. Each God communicates through an oracle. C'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. It's what they call anthropomorphism. Anthropomorphisme. Anthropomorphism. Attribuer une divinité des caractéristiques de Dieu. Attribuer to a divinity like God's. Les caractéristiques. Characteristic of God. De l'homme. Of man. Dieu n'a pas la bouche. God does not have a mouth. Mais la Bible parle de la bouche de Dieu. But the Bible talks about God's mouth. Dieu n'a pas les mains. God does not have hands. Mais la Bible parle de la main de Dieu. But the Bible talks about the hand of God. Dieu ne dort pas. God does not sleep. Dieu ne sommeille pas. God does not sleep. Dieu n'oublie pas. God does not forget. Mais il dit rappelle ma mémoire. But he said remind my memory. L'anthropomorphisme. Anthropomorphism. Frère. Brethren. Tout Dieu. Our God. A besoin d'un oracle. Need an oracle. Sans lequel il cesse d'exister. Without which he can never exist. He stop existing. Tout Dieu. Every God. A besoin d'un oracle. Need an oracle. Quelqu'un qui le représente. Somebody that represents him. Toute nation, every nation a besoin d'une ambassade. Need an embassy. S'il n'y a pas un ambassadeur dans une nation, if there's no ambassador in a nation, la nation n'existe pas légalement dans ce territoire. That nation does not exist legally in that territory. Oh my God. Oh mon Dieu. Tout Dieu. Every God. Dès que tu deviens Dieu. As soon as you become God. Tu as besoin de quelqu'un qui parle pour toi. You need somebody that speaks on your behalf. Dieu ne parlera jamais à toi. God shall never speak to you. Il parlera à quelqu'un qui te parlera. He shall speak to somebody that will come and tell you. C'est la raison pour laquelle. That's why. Lorsque Dieu a dit à Moïse. When God said to Moses. Je te fais Dieu pour Pharaon. I make you God for Pharaoh. Il a directement ajouté. He directly added. Et Aaron sera ton prophète. And Aaron will be your prophet. Aaron sera ton oracle. Aaron will be your oracle. Dès que tu élèves au rang de Dieu. As soon you are lifted to God rank. Tu as besoin d'un oracle. You need an oracle. Frère. Brethren. Tu es descendu ce matin au stade Omnisport. Et il porte une veste bleue. And he carry a blue suit. Avec une cravate. Une cravate bleu clair. With a clear blue et une chaussure noire cuir. And a black leather shoes. Oui, parce que je le représente. Because I represent him. Et il déclare aujourd'hui. And he declares today. Tu ne mourras pas sans voir la gloire. Tu ne mourras pas sans célébrer son nom. Si tu dis amen fort, c'est à and toi que je parle. L'oracle représente une divinité. Oracle represents a divinity. Oui. Yes. C'est ça un oracle.
that is what is an oracle. La manière dont tu vois un oracle, the way you see an oracle, c'est la même manière que tu vois Dieu derrière l'oracle. It's the same manner you see God behind the oracle. Numéro 2. Number 2. Un oracle manifeste la puissance et l'autorité de Dieu. An oracle manifests the power and authority of God. La Bible dit. The Bible says. Dans 2 Chroniques 20, verset 20. In 2 Chronicles verse 20. Crois en l'Éternel. Believe in the Lord. Et tu seras établi. And you shall be established. Crois en ses prophètes. Believe in his prophets. Et tu prospéreras. And you shall prosper. Il faut croire en Dieu. You have to believe. Tu ne peux pas croire en un Dieu sans croire son prophète. You cannot believe in a God without believing his prophets. Tu ne peux pas croire en Dieu sans croire son oracle. You cannot believe in God without believing his oracle. C'est l'erreur que les pharisiens ont commis. That is the error, the mistake the Pharisees committed. Jésus dit, Dieu m'a envoyé. Jesus said, God sent me. Il dit, nous croyons en Dieu, c'est on ne croit pas en toi. He said, we believe in God alone, we don't believe no! in you. No! Tu ne peux pas croire en Dieu. You cannot believe in God. Sans croire l'oracle de Dieu. Without believing in the oracle of yeah! God. Hey! Je suis l'oracle de Dieu au Cameroun. I am the oracle of God in Cameroon. Je ne te demande pas. I don't ask you. Je t'informe. I inform you. Je suis la voix autorisée de Dieu. I am the authorized voice of God. Et je déclare dans ta vie. And I declare in your life. Avant demain 17h. Before tomorrow 5. Mon Dieu va frapper à la porte de ta vie. God shall knock at the door of your life. Il va frapper à la porte de ta famille. He will knock at the door of your family. Si tu ouvres en disant amen, un miracle te localise. Amen, a miracle locates you. L'oracle manifeste la puissance et l'autorité de Dieu. Oracle manifests the power and authority of God. La puissance d'un Dieu. The power of a God. Est vu dans la vue de son oracle. He's seen in the life of his oracle. Adagadagaza. La richesse d'un homme. The richness of a man. Est vu dans la vie de ses enfants. He's seen in the life of his children. Je sens qu'il a touché quelqu'un. I feel I've touched somebody. Tu es habillé là comme Kim Kardashian. You are dressed there like Kim Kardashian. Ton enfant là-bas est habillé comme le petit frère de Ndomo, le pousseur de la ville. Kid there is dressed like the son, the brother of Ndomo. Kai. Kai. Brethren. Un oracle. An oracle. Manifeste la puissance et l'autorité de Dieu. Manifest the power and authority of God. On reconnaît la puissance et la richesse d'un pays. They recognize the richness and the power of a country. En regardant le train de vie du président du pays. Not like looking at the time or living of the president of that country. En regardant le train de vie des gens qui sont dans son pays. By looking at the standard of living of the people in his country. On reconnaît la puissance de Dieu. They recognize the power of God. En regardant ce qui se passe au ciel. Not looking at what happens in heaven. En regardant l'église sur la terre. By looking at the church on the earth. À partir d'aujourd'hui, from today, j'ai appris que les Rosicruciens parlent fort au Cameroun. I learned that Rosicruciens talk loudly. Que les francs-maçonneries parlent fort au Cameroun. Francs-maçonneries talk loudly in Cameroun. À partir d'aujourd'hui, from today, tout franc-maçon qui apparaît à la télévision nationale, il meurt dans les Caraïbes qui est ici. He died in the 48-hour following. Toute personne qui vend de la sorcellerie dans ce pays, any person that is brought la sorcellerie la va l'emporter dans 48 heures. That which was a kill me in 48 hours. Je sais que tu n'as pas dit amen, parce que tu te connais. Amen. Que ton voisin dit amen fort, ça va l'attraper aussi. Let your neighbor say it amen loudly. Un oracle. An oracle. La Bible dit par un prophète. The Bible said by a prophet. Israël est sorti de l'Égypte. Israel came out from Egypt. Aïe. Aïe. Par un prophète. By a prophet. Israël était préservé. Israel was preserved. Je vous pose la question. Can I ask you the question? Pourquoi Dieu dans le ciel? Why did God in heaven? N'est pas descendu sous forme d'un ange. He didn't come in the shape of an angel. Pour sauver les hommes. To come and save man. Pourquoi il n'est pas venu sous la forme d'un esprit? Why didn't he come in the shape of a spirit? Mais comme un homme. But like a man. Parce qu'il fallait qu'il ait son propre oracle. Because he needed to have his own oracle. Les autres oracles avaient échoué. Other oracle failed. Il est devenu son oracle. He became his oracle. Je déclare aujourd'hui. I declare today. Toute personne qui devait parler pour toi. Every person that has to speak on your behalf. Et qui a parlé contre toi. And that spoke against you. Reçois l'onction pour parler pour toi-même. Receive the anointing to speak for yourself, your son. Si tu dis amen fort, tu saisis amen. La parole.
D'où vient que les sous-préfets ferment les églises facilement? Where does it come that subdivision closed churches so easily? D'où vient ça? Where does it come from? D'où vient que les autorités rapidement tuent quoi, pasteur? Where does it come that authority quickly? Are you a pastor? Où est votre business plan? Where votre building plan de la sous-préfecture de la mairie? Where is your building plan of the sous-préfecture and town hall? Je vous pose une question. Can I ask you a question? Est-ce que les charlatans et les marabouts ont le building plan? Do native doctors have a building plan? Vous avez vu l'église de marabout ou bien le temple de marabout? Have you already seen the temple of a native doctor? Ils ne sont pas dans les maisons. Are they not in houses? Ils ne font pas des crimes là-bas. Do they commit crime there? Avez-vous déjà vu un sous-préfet fermer la maison d'un marabout? Have you already seen a subdivision that close the house of a native doctor? Thanks. Tu vas perdre le chemin en route en rentrant chez toi. Sure, you're going to lose your way going back to your house. Pourquoi? Why? Parce qu'on sait. Because they know. On peut toucher l'église et rien ne se passe. That they can touch the church and nothing happens. Agadobazia et gagada. Zekatayama zotele kete. Pourquoi les gens meurent dans ta famille? Why do people die in your family? Toujours la même personne qu'on accuse. Always the same. Toujours la même personne qu'on accuse. Always the same person. Les gens meurent mais il est toujours vivant. People die, he's still alive. Il continue à tuer parce que quand il tue, rien ne lui arrive. He keep on killing because when he kills, nothing happens to him. Si un jour il te touche par erreur. If one day he touches you by mistake. Et quand un côté de son corps se paralyse. The half of his body is paralyzed. Il ne va plus jamais toucher quelqu'un. Je prophétise ce jour. La prochaine personne qui touche quelqu'un de ta famille meurt de manière bizarre. Si tu dis amen fort, c'est à toi que je parle. Amen. La qualité de ton amen détermine la rapidité de l'exécution. The quality of amen determines the rapidity of the execution. Je vous dis la vérité. I'm telling you truly. Laissez-moi vous poser une question. Allow me to ask you one question. Si un jour, if one day, deux personnes marchent en route, two people walk on the road. L'un est pasteur. One is a pastor. L'autre c'est un djunjou. The other is a djunjou. Un marabout. A native doctor. Ils sont là en train de marcher. They are there together. Le commissaire dit. The commission says. À l'inspecteur. To the inspector. Arrête-moi la personne là. Hold me that person. Il monte le djunjou. He shot the djunjou. Qu'est-ce que le policier va dire? What will the policeman say? Il dit patron. He said, boss. Toi-même, tu peux aller l'arrêter. You can go and catch him. Tu vois comment il est habillé? Do you see how he's dressed? Tu vois comment il est? You see the way he is? J'ai deux enfants à la maison qui m'attendent. I have two children at the home that are waiting for me. Mais si tu vas arrêter le pasteur là? He said, go and catch the pastor. Tu es pasteur? Are you a pastor? Tu es pasteur? Tu es pasteur? Hey, viens ici là. Come here. Tu ressembles à un Rwandais. You look like a Rwandan. C'est ce qu'on m'a dit l'autre jour. That's what they told me the other day. Cache. Pourquoi? Why? L'église a perdu quelque chose. The church lost something. Je déclare. I declare. Tu rentres chez toi et a retrouvé l'onction là. Go back to your home having found that anointing. Tu quittes d'ici avec une onction dangereuse. You leave this place with a dangerous anointing. Pourquoi certains ne disent pas amen à cette parole là? Some do not say amen to that word. Amen. Un oracle. An oracle. Manifeste la puissance et l'autorité de Dieu. Manifest power and authority of God. Numéro 3. Number 3. Un oracle. An oracle. Shabagadagada. Zeketeyebos. Zekadokoziyada. Zebrozakatayama. Abaragadoguziyada. Zebrozakatayekete. Hey. Hey. Un oracle doit être mystérieux. An oracle must be mysterious. Mystérieux. Mysterious. Un oracle doit être mystérieux. An oracle must be mysterious. Pourquoi nous allons dans les autres églises, il y a plus de miracles, mais quand on vient dans notre propre, demandez à tout pasteur, il fait moins de miracles dans sa propre église que dans les autres églises. As to every pastor, he fulfills less miracle in his own church than in others. Pourquoi? Why? Pas parce qu'il a perdu l'onction. Not because he lost anointing. Mais parce qu'il a cessé d'être mystérieux. Because he ceased to be mysterious. Hey! Hey! Pasteur, levez-vous là-bas. Pastor, rise up there. Le jour où vous cessez d'être mystérieux. The day you cease to be mysterious. Vous cessez de bénir le peuple. You cease to bless the people. Même si tu fais quoi? Even if you do. N'accepte jamais que les gens soient capables de te prédire. Never accept people to be able to predict you. Ne te descends jamais au point de devenir camarade avec tes brebis. Never bring yourself down to become comrade to your sheep. Hey! Hey! Gardez-vous de caractère mystérieux. Keep your mysterious character. La puissance de l'onction. The power of anointing. Et attachant la qualité du mystère qui sous-tend l'onction là. Is bound to the quality of the anointing that is under that ministry.
Un homme a man commence à mépriser sa femme. Start despising his wife. Car elle cesse d'être mystérieuse. When she ceases to be mysterious. Je vous dis. I'm telling you. Tu sais que s'il appuie là, tu vas faire hey. You know if he push there, he shall do il hey. Il appuie là-bas, tu fais ha. If he push on the other side, do ha. Il appuie en haut, tu fais oh. If you push, he push. Il appuie en bas, tu fais you. He pushes down, you do who. Un jour, va seulement faire hey. One day, shall only do ha. Hey. Ha. Ho. Ho. You. Who. Hey. Hey. Ha. Ha. Ho. Ho. Who. You. Eva. Who. Hey. Hey. Ha. Ha. Yo. Ho. Oh, you. You. Yeah. Hey. Hey. Ya. Aha. Yo. Oh, yo. Oh, you. Le gars va danser pendant que tu pleures. The guy shall dance while you shall be crying. Et puis tu vas dire que ouais. And he shall say ouais. L'homme là n'est même plus haut. That man no more loves je me. Je pleure, il ne remarque pas. He doesn't even remark it. Il ne peut pas remarquer. He cannot remark. Parce que tu es trop prévisible. Because tu as perdu ton caractère mystérieux. Mysterious character. À partir d'aujourd'hui, tu retrouves ce caractère. That character. C'est pour ça que dans les fiançailles, il te cherchait. That's why in engagement he was looking for you. Tout homme, toute femme qui est difficile à avoir. Every woman that is difficult to get. C'est la qualité que l'homme cherche. That's the kind the man is looking for. Le gens qui te donnent un téléphone chinois. The guy that give you a Chinese phone. Cadeau. Si tu m'aimes tellement, oh, un téléphone chinois, oh, tu me donnes tout, oh, je te donne tout. Cadeau. Mon devant, oh, cadeau. Mon derrière, oh, cadeau. Akatika sukare bagada. Sekatayama zogata. Tu rentres ce matin. You go back this morning. Dans ton église. In your church. Dans ta maison. In your house. Dans tes affaires. In your business. Avec une notion de mystère. Mysterious. Avec une notion de mystère. Avec une notion de mystère. Si tu dis amen fort, ça te sert sur toi. Je vais répondre à la dernière question. I'm going to answer to the last question. Mais le caractère mystérieux est important. That mysterious character is important. Je vous ai dit. I told you. L'onction fonctionne avec le mystère. The anointing works with the mystery. Je suis allé prier pour un ministre. I went to pray for a minister. On était plusieurs pasteurs. Many pastors we were. Chacun avait chouk. On me dit que l'homme là quand tu pries pour lui seulement il te donne rien tu pas. They told me when that man you pray for him he gives you nothing and you leave. Come them a pris sa corne d'huile. Come them took his horn of oil. Je suis arrivé. I reached. J'étais d'abord bien comme Jean Baptiste venant du désert. I was like John the Baptist coming from the wilderness. Boom. Boom. Dès qu'on a, les autres pasteurs mangeaient déjà. As soon as we got in, the other pastors were eating. Moi j'ai dit je ne peux pas manger. I say I cannot je eat. Vois la mort dans I la maison. I see death in the house. Le ministre a laissé la cuillère tomber. The minister left the spoon falling. Les autres pasteurs ont continué à manger. Other pastors kept on eating. Il dit prophète ça veut dire quoi encore? He said prophet, what does that mean? Où sont tes toilettes? Where are your toilets? C'est là-bas. It is there. Amène-moi là-bas vite. Bring me there quickly now. Il m'amène. He brought me. Adikako. Zekota. Choup. Je vais. Choup. I throw it. J'ouvre l'eau. I open ça the water. Ça fait chou. Tu entends le bruit? Do you hear the noise? Oui, j'entends. Say, yes, yes. Qui a tourné? Tu avais chou. Ça n'a pas entendu le bruit. Personne n'entre chez un marabout. Nobody goes to a native doctor house. Sans avoir été effrayé. Without being frightened. Même si le marabout a le, même s'il a l'ordinateur, even comme if le the marabout native doctor has a computer, de Bobo Diouf. Like the native doctor of Bobo Diouf. Il y a toujours un caractère mystérieux là-dedans. There is always a mysterious character. Tout le village le consulte. The whole village consults him. Même s'il couche avec toutes les femmes du village. Even if he go and see all the women of the village. On le consulte toujours. They always consult him. C'est l'oracle. It is the oracle. De la même manière que je transpire aujourd'hui. In the same manner I swear to tell. Sous le soleil si. Under the sun. Je parle au soleil. I speak to the sun. Partout où tu iras, où il y aura le soleil. Everywhere you shall go, there shall be. La gloire de Dieu va resplendir dans ta vie. Your glory shall shine in your life. Tant que le soleil si brillera. Till the sun shall shine. Ta vie va briller. Ton étoile va briller. Ta destinée va briller. Tes affaires vont briller. Ta gloire va briller. Les enfants vont prier au nom de Jésus. In Jesus' name.
Amen. Laissez-moi clôturer avec ça. Allow me to close with this. Et je vais prier pour vous. Now I'm going to pray for Comment you. Comment on approche un oracle? How do they come close to an oracle? Comment on approche un oracle? How do they come close to an oracle? Numéro 1. Number 1. Avec respect et tremblement. With whisper and shivering. Hey, hey. Avec respect et tremblement. With respect and shaking. Allô? Ça va, prophète? Are you okay, prophète? Bon, comme tu vois là. You see. Chamolos. Just give me Chamolos. Hey. Hey. Tu ne connais pas. You don't know. Vraiment? Really? Frère. Brethren. Est-ce que tu sais qu'aucun oracle ne soigne sa propre famille? Do you know no oracle heals his own family? Est-ce que tu sais qu'aucun médecin ne soigne sa propre famille? Do you know no doctor heals his own family? Eh, docteur, c'est vrai ou c'est faux? Même si tu es chirurgien, si c'est ta femme, ce n'est pas toi qui fais la chirurgie. Even if you are a surgery, c'est quelqu'un d'autre. Même si tu es le meilleur, even if you are the best, c'est quelqu'un d'autre qui doit faire la chirurgie. It is somebody else that has to come and carry on that surgery. Why? Tu as l'habitude de dormir avec lui. You are used to sleep with him. Tu as l'habitude de le voir péter. You are used to see him on the bed poof. Et ça sent exactement comme pour toi. It smells exactly as your own. Tu as l'habitude de le voir ne pas se brosser les dents et ça fait. You are used to seeing him. Et les moustiques commencent à mourir. His teeth and it does. D'ailleurs, chaque fois, tu connais que ses chaussettes sont trouées. You know his shock. There is a hole. Et la nuit passée, tu as vu le docteur là pleurer qu'il a mal lui-même. Last night, you saw that doctor saying he's. Maintenant, il te dit qu'il va t'opérer. Now he says he's going to bring you to surgery. Tu connais que la nuit là, c'est toi qui as fait le flipanglas pour enlever la fièvre qu'il avait. Il pleurait comme un bébé. Maintenant, il te dit qu'il va vendre ton ventre. Tu dis que now papa, he's going to open your womb. He says, va d'abord finir ton flipanglas, ton go and ta fièvre là avant de venir me toucher. Before coming and touch me. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Am I speaking to somebody here? Regardez peuple de Dieu. Look people of God. Même si l'homme de Dieu l'aime comment? Even if that man of God loves garde you anyhow. Garde toujours le caractère sacré. Always keep the sacred character. Garde toujours la distance. Always keep the distance. Garde toujours la distance. Always keep the distance. Dis papa. Say daddy. Je suis ton ami, c'est vrai. I am your friend, it is true. Mais tu es un oracle de Dieu. But you are an oracle of tu God. Tu représentes quelque chose que je you cherche. You represent something I'm looking for. Je ne veux pas me limiter en jouant avec toi. I don't want to limit myself playing with you. L'oracle doit être très respecté. The oracle must be really respected. La manière, c'est le pasteur que tu respectes quand il prie sa marche sur toi. It is the pastor you respect when he prays. It work out on you. Quelle que soit l'onction du pasteur, si tu ne le respectes pas, no matter the anointing of the pastor, if you do not respect him, it shall not work out. Pasteur, si tu peux prier pour moi. Pastor, can you pray for me? Ah bon, oui, ma sœur. Assois-toi, je vais prier. Have your seat. I'm going to pray. Oui, pasteur, vas-y. Yes, pastor, go ahead. Pastor, tu n'as pas fini. Pastor, have you not finished? Prie bien, prie bien. Pray well, pray well. Ça marche ici, ça marche là-bas. It works there, it works here. Kai! Kai! Combien de personnes viennent voir leur père à genoux? How many people come and see their father? Ne me dis pas que ça veut dire quoi, ça veut dire quoi? Don't ask me what does it mean, don't what does it mean. Ça veut dire quelque chose. It means something. Même si ton cœur est debout, mets d'abord tes genoux, ton cœur va suivre après. Even if your heart is standing, put your knee down, your heart shall follow. On parle de ton pasteur, tu parles aussi. They talk about your pastor, you too, you get après, him. Tu viens à l'église, amen. After you come in the church and say, amen. Fire, je fire, reçois. I receive. Sorcier, sorcerer, tu reçois quoi? What do you receive? Alors que hier, tu étais en train de parler avec les gens contre lui. Where was yesterday? You were speaking with people against. Alors que hier, tu le régnais. Yesterday you were denying. Alors que hier, tu ouvrais ta bouche pour dire que c'est un bandit, c'est un violeur de femme, c'est un homosexuel. Eh bien, je reçois. Yesterday, que tu punisses le diable derrière ton je reçois. May God punish the devil behind your eye. Receive. Nous devons arrêter certaines choses. We must stop. A kind of si nous voulons évoluer, if you want to move forward, l'oracle doit être craint et respecté. The oracle must be feared and respected. C'est vous qui venez ici là. On invite les orateurs venir prêcher pendant les conventions. Ils te donnent rendez-vous à l'hôtel. Tu ne dis à personne. Mais c'est le jour où j'ai à t'embrasser. Que tu cours, papa, papa, l'homme de Dieu là a voulu ma. He cries to kiss il t'a embrassé où daddy, dans ta maison. Where did he kiss you in his home? Tu faisais quoi à l'hôtel? What were you doing tu as dit à ton pasteur? Have you told your pastor? Arrêtez ça! Stop that! L'oracle doit être clair et respecté! The oracle must be feared and
like that. Un homme de Dieu ne te donnera jamais rendez-vous à l'hôtel pour prier pour toi. A man of God shall never give you an appointment in the altar to pray for you. Ne dis pas que tu es stupide. Si tu appelles à l'hôtel, tu sais ce qu'il cherche. On ne prie pas à l'hôtel. They don't pray at the hotel. S'il veut prier, il t'amène à l'église. Il t'assoit dans son bureau. C'est toi qui as pris tes deux pieds. Tu es allé à l'hôtel. Et maintenant, quand il veut prendre sa chose, tu dis que non. Je pensais que c'était la prière spéciale. C'est la prière spéciale là justement qu'il veut faire. C'est la prière spéciale. That special prayer. Pourquoi tu refuses maintenant? Why do you refuse now? L'oracle doit être clair. The oracle must be seen. Et respecté. And respect that. Il doit être craint. He must be feared. Ne vous accommodez pas aux hommes de Dieu. Never get used to men of God. C'est ça qui est le problème de l'église au Cameroun. That is the problem of the church in Cameroon. Et après tu dis que non. After you say no. Papa. Daddy, mon pasteur résident ne me bénit plus. My resident pastor no more bless me. Je ne sens plus la connexion. I no more feel the connection. Comment tu vas sentir la connexion? How are you going to feel the connection? Alors qu'il y a eu une autre connexion qui brûle la vraie connexion. There was another connection that burned the real connection. Comment? How? Arrête l'autre connexion et la bonne connexion va être rétablie. The good connection shall be restored. Tu ne peux pas avoir, même si tu as un seul téléphone, tu as deux cartes SIM, tu ne vas pas recevoir deux coups de fil au même moment. You cannot receive two phone calls at the same moment. Quand on appelle pour Orange, MTN ne répond pas. When they call through Orange, HM does not answer. C'est un seul téléphone. It's only one phone. Sauf si tu es magicien. Only if you're a magician. Je ne sens plus l'onction, je ne sens I no more feel anointed. Tu as déjà senti quelque chose d'autre. Comment tu vas sentir l'onction maintenant? I've already felt something else. How are you going to feel anointed right now? Tu dois sentir une seule chose. You can feel just one thing. L'oracle doit être clair, respecté. The oracle must be feared and respected. Lève ta main, oh Dieu. Apprends-moi à respecter mon oracle. Je vous dis la vérité. I'm telling you qui truly. De vous ici qui était catholique a changé son église catholique parce que le prêtre n'était pas bon? Who among you that was ou le prêtre l'a même dragué? And changes his church because the priest was not tu good. Tu vas en boîte de lui. God, she go to the net. Prophète Baya. Prophète Baya. Toi, tu dois connaître ça en tant qu'ancien presbytérien. Maybe you know it as an old presbyterian. Tu vois comment? C'est you pour ça qu'on va recommencer à porter les soutanes à la cathédrale de la foi. You will restart putting out. That grass is le prêtre lui l'enlève la soutane. The priest remove his priest grass. You must calculate. Coller. Le prêtre connaît tous les biches et toutes les pichenettes. The father he knows all the steps. Quand tu dis mon père, tu sais pas qui me colle comme ça. My father, are you the one that sit me je like suis this? Pas ton père. Said, I'm not the father. Coller. Sticking. Le dimanche. On Sunday. Quand il met sa soutane. When he put his priest hers. Holy. Saint, holy. 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 Sola scriptura sucum tunum Holy Spirit sanctum. Amen. C'est tellement beau que tu es obligé de dire Amen. It's so beautiful you are glad to say Amen. Si tu t'as dit que mon père était en service, non, c'était pas moi. If you guys tell me a friend we're together, say no, I was not alone. C'était une personne. You were somebody else. Quand j'ai mis la soutane, je and suis devenu une autre personne. Priesthood. Et like toi, tu acceptais ça. And you accepted pendant that. Pendant 10 ans, 20 ans. For 10, 20 years. Le jour où tu vois seulement ton pasteur piétiner ton pied. The day you see your pastor crushing your feet. Il est dans le rêve, tu vois ton pasteur venir. You see your pastor coming. Tu commences à dire que on m'avait dit. You start saying they told me. C'est mon pasteur qui bloque mes bénédictions. It is my pastor that blocks. Dans le rêve. In the dream. Et tu changes d'église. And you change your church. Que Dieu punisse le diable et le rende bancal. May God punish the devil and make him bancal. À partir d'aujourd'hui. From today. Ton oracle sera respecté dans ta vie. Your oracle shall be respected in your life. Numéro 2. Number 2. Qu'est-ce qu'on a fait de l'oracle? What have they done with the oracle? L'oracle doit être. Oh my God, ça c'est très important. This is very important. Ça c'est très important. This is very important. L'oracle doit être consulté. The oracle must be consulted. Tant
Tant que tu ne consultes pas l'oracle, tu n'as pas la solution divine. Since you don't consult the oracle, you don't have the divine solution. Ne reste pas chez toi, tu dis que Seigneur, viens me secourir, non. Then remember your heart, say God, come and have mercy. Tu dois aller consulter le représentant de Dieu. You must go and consult the representative of God. Il te donnera la parole de Dieu. He shall give you the word of God. Qui apportera la solution à ton problème. That shall bring solution to your problem. Il faut consulter l'oracle. You need to consult the oracle. Ne viens pas sachant tout. Never come knowing everything. À soi. At soi. Il y a de cela 6 ans. 6 years ago. Une jeune femme est entrée dans mon bureau. A young lady came in my office. Avec sa soeur. With her sister. J'ai dit que madame, tu voulais voyager, le voyage n'est pas de Dieu. Arrêtez de voyager la semaine prochaine. I said, lady, you want to travel? The travel is not coming from God. You have to travel next week. Si tu voyages mardi, là, poup, ça va pas marcher. If you travel on Tuesday, it shall not work. Elle dit à sa soeur que. She said to her sister. Dis à ton pasteur si qui ne blague pas avec moi. Tell that your pastor not to joke with me. Je ne suis pas dans les petites histoires des enfants. I'm not in this small matter of children. Mon pasteur Adol a déjà prié pour mon moi. Mon pasteur Adol a déjà prié pour moi. J'ai acheté le billet d'avion par un I bought the flying ticket. Il me raconte quoi? What is it you hey! Me? Hey! On est égal en communion, on n'est pas égal en onction. We are equal in communion, not equal in anointing. Il y a les gens que quand ils parlent, tu réfléchis avant de dire amen. Il y a d'autres que quand ils parlent, tu dis amen avant de réfléchir. There are people when they speak, you think before saying amen. They are older. They speak, you say amen after thinking. Sa soeur repousse le voyage. Her sister elle, elle est partie le même mardi. The journey, she has to go the next Thursday. Sa cousine était encore au pouvoir. Sa cousine was still in power. Dès qu'elle arrive, il y avait eu un problème là-bas. Les Camerounais, quoi. Tout avion, toute personne qui vient du Cameroun, on l'a renvoyé dans l'avion. As elle est encore au Cameroun jusqu'à aujourd'hui. Elle est épousée au commerçant du marché central. She got married to a creator of the central market. L'oracle doit être consulté. The oracle must be consulted. Tout ce que tu fais sans consulter Dieu ne marche pas. All that you carry on without consulting God will not work. Lorsque tu veux construire la maison, est-ce que ton pasteur est au courant? When you want to build a house, is your pastor knowing? Quels sont tes projets? What are your projects? Papa. Daddy. Papa. Daddy. Je suis fâché. I am really angry. Je vais mettre la soeur en prison. I'm going to put that sister in jail. C'est quoi ma soeur? What is it, my sister? Je lui ai donné 700 000 francs pour les affaires. Ça fait 2 ans, elle ne m'a pas remboursé. Elle me tourne, elle me tourne, elle me tourne. I gave her 700,000 for businesses. She's turning me, turning. Quand tu as donné l'argent là, est-ce que tu as consulté l'oracle? Have you consulted the oracle? Ce ne sont pas tous ceux qui sont assis à l'église avec les foulards et les longues robes qui sont sérieux. It's not all that are seated in the church with scarves and great long dresses that le are serious. Le pasteur connaît les gens sérieux à l'église. The pastor knows serious people. Consulte l'oracle. Consult the oracle. Et enfin. And finally. L'oracle doit recevoir les sacrifices. Oracle must receive sacrifices. Tu n'as jamais vu au village. You have never seen in the village. Un oracle qui ne reçoit pas de sacrifices. An oracle that does not receive sacrifices. Jamais. Never. Hey. Nous sommes tous des Bantous, il n'y a pas de blancs ici. All of us, we are bound to Africa, there's même no comme white certains man de mes enfants ici sont français. See, some of my children are French people. Mais je dis. But I say. On ne rencontre jamais un oracle sans sacrifice. They never encounter an oracle without sacrifice. Va demander à ta grand-mère. Go and ask your grandmother. On n'a pas besoin de sortir un verset biblique pour ça. They don't need a biblical verses for that. Tu restes là comme maman Chantal Biya. You remain there like mommy Chantal Biya. Alors que tu n'es même pas maman Marafa. We are not even mama Arafa. Marafa. Arafa. Qui est en prison maintenant? Arafa in the jail. Tu es là, tu es assise comme Kim Kardashian. You are seated like Kim Kardashian. Alors que tu ne ressembles même pas à. Whether you don't look like. À Brenda. Like Brenda. Kai. L'oracle reçoit les sacrifices. The oracle receives sacrifice. Et quand l'oracle mange ton sacrifice, c'est Dieu qui a mangé son sacrifice. When the oracle eats your sacrifice, it's God that has eaten his sacrifice. C'est dangereux au village. It is dangerous in the village. Que tu peux voir un oracle, tu lui donnes quelque chose, il refuse. You go and see the oracle, give him something, he refuses. C'est que c'est la mort qui est venue dans la famille. The death has come in the family. Il y aura deuil. There shall be. L'oracle a refusé le sacrifice. The oracle refuses the sacrifice. On multiplie le sacrifice directement. They directly multiply the sacrifice. Vous êtes allé au village? Have you gone to the village? On dit qu'on a porté le mouton, le dieu du village a refusé. They said they have brought the sheep, the god of the village has refused. Tu étais où pour voir le dieu l'a refusé? Where were you to see that god refusing? C'est l'oracle qui a refusé. It is the oracle that has refused. Parce que le mouton était boiteux. Because the sheep was lame.
Il confisque le mouton boiteux. Il dit apporte le vrai maintenant. He take that lame sheep and he said bring the true right now. Brethren. Ça ce sont les enfants du renouveau. These are the children of the renew. Pourtant ton problème n'est pas renouveau. Meanwhile your problem is not from the renew. C'est le problème que ta mère avait traversé. Ton père avait traversé. Pourquoi tu veux traiter comme intellectuel maintenant? Why do you want to deal like an intellectual now? Si quelqu'un parle, if somebody speaks, que ce soit comme, let it be like, un oracle de Dieu, an oracle of God. Donc quand tu dois l'écouter, so you have to listen écoute-le to him, comme, listen to him like, un oracle de Dieu, an oracle of God. Et cette semaine, and this week, des oracles vont parler. Oracles are going to speak. Oh, et pas n'importe quel oracle. Not any kind of oracle. Quand tu entends qu'un tia va parler. When you hear that tia is le nom speak, seulement fait peur. Only the name make be frightened. Quand tu entends que Bishop Joshua Talena. When you hear that Bishop Joshua Talena. Mon frère, ce ne sont pas mes égaux. My brother, they are not equal. Il y a oracle et oracle. They are oracle and oracles. On me mélange par 5, je n'atteins pas 1. They mix me with 5, I don't reach 1. Et ils vont parler ici. And they are going to speak here. Sur ta vie. Upon your life. Au lieu de tuer le faux gré et de me donner, tu passes ton temps à calculer, à bloquer ton argent dans le compte pour dire que je suis sûr que je vais s'aimer. Il faut que je garde ça loin pour ne pas s'aimer. Fire! Fire! Ouais, rien. Love. Je suis très sérieux quand je parle. I am very serious when I'm speaking. Ah, voilà maman Yamba qui arrive de Bafoussam. Mommy Yamba coming from Bafoussam. Acclamons pour cette maman. Let us put our hands together for this mother. Regarde la sonnette. Cette maman-ci. These mothers. Son mari était mort. Her husband was dead. Tu étais là. On l'a mené dans le taxi et le bus. They brought him in the bus. In the bus. Yes, car. En tant qu'oracle de Dieu. As an oracle of God. Hey, maman Yamba, viens ici là. Je t'attrape en couille. C'est ton arrivée de Bafoussam. Hein? Is it your arrival from Bafoussam? Avance, avance ici. Come forward, come here. L'oracle a parlé. The oracle spoke. Et le mari est revenu à la and vie. The husband came back to life. Cette femme-ci me sert depuis combien? Depuis combien d'années qu'on est ensemble? How many years are we together? 96, 20 ans. 96, 20 years. Cette femme-ci a payé mes études. Elle me donnait chaque mois 25 000. C'était 25 000 chaque mois. Studies. Ou 50 000. Non, c'était 25 000. Quand vous étiez à l'université, vous venez souvent prendre la nourriture. Ou quand vous ne venez pas, je vous donnais en plus 10 000. 25 000 plus 10 000. L'oracle reçoit les sacrifices. The oracle receives sacrifices. Ta fille est où? Where is aux your daughter? États-Unis. Elle est mariée, elle n'est pas mariée. Elle a épousé le fils d'un colonel retraité qui travaille à la présidence. L'oracle reçoit les sacrifices. L'oracle receive sacrifices. Son fils basketteur à l'équipe nationale. Tous ses enfants prospèrent. All her children prosper. L'oracle reçoit les sacrifices. En 96, il y a 20 ans. Tu buvais encore la Jobajo. You were still drinking Jobajo. Et la Tantou Espoir. And et ton pasteur que tu dis qu'il est où là, il cherchait encore les femmes à l'époque. Il y a 20 ans. Quand j'étais déjà un oracle. When I was still already an oracle. Ne confonds pas la beauté à la jeunesse. Never confuse beauty to youth. Maman, je suis beau, je suis pas jeune. Mommy, I am beautiful, but I'm not young. Ne confonds pas. Don't confuse je suis l'oracle de Dieu. I am the oracle of et God. Je déclare dans ta vie. And I declare in your life. Que Dieu punisse le diable si ta vie ne change pas cette semaine. God punish the devil if your life does not change this. Celui qui dit amen fort reçoit sa parole. Amen. Si ton amen est plus fort que ton voisin, tu reçois avant ton voisin. Quelqu'un dit oh Dieu, ouvre mes yeux aujourd'hui. On va prier. Levez-vous tout we le monde. We are going to pray. Stand up, everybody. Si quelqu'un parle, if somebody speaks, que ce soit comme un oracle. Let it be like an oracle. Regarde ton voisin. Look at your neighbor. Ton voisin. Cette semaine, tu as le privilège. This week you have the privilege. D'écouter les oracles de Dieu. To listen to oracles of God. Regarde. C'est ce qu'elle disait. Tout le monde est encore assis. Oh, that, or, see, voilà exactement ce qu'elle disait. This is exactly what I was saying.
C'est quand tu vas rester que l'hémorroïde va t'attraper par sur le sol. Quand tu vas la prochaine fois, tu te bouges. Notre Dieu n'est plus craint parce qu'il n'agit plus comme acte des apôtres. Our God is no more fear because he still no act like act of apostle. I am a killing prophet. Je suis un prophète tueur. Hey, hey, hey. Vous qui dites que pourquoi il faut tuer les prophètes, you pourquoi il faut tuer les gens, le Seigneur dit de pardonner. Lord said to forgive. Mon frère, l'enfer était fait pour certaines personnes. Hell was done for some people. Il faut qu'ils aillent là-bas. They must go there. Il y a les gens que quelle que soit ta prière, ils ne changeront pas. There are people, no matter your prayer, she shall not change. Ils font quoi donc sur la terre? What they do on the earth? Ils ont vendu leur âme à Satan. They sold their soul to Satan. Et ils passent le temps à initier les gens. They spend time initiating people. Moi, je ne prie pas pour que Abubakar Sheko se repente. I don't pray for Abubakar Sheko to repent. I kill. Je tue. Non. No. Les gens que toi tu n'étais pas à Maroua pour voir ce qui se passe. You were not at Maroua to see what happened. Si c'était ton frère ou ta soeur qu'on avait tué, ta prière allait changer. If it was your brother or sister they killed, your prayer should have changed. Vous qui dites que Seigneur vraiment non, c'est vraiment pas. Un sorcier t'a pas encore touché. A sorcier has not yet touched you. Quand on te touche un jour. Let them touch you one day. Tu vas plus dire que Seigneur que ta miséricorde s'étende. Tu dis à Dieu garde la miséricorde de la minute. Keep your mercy where you are. Où est le feu du jugement? Where is the fire of judgment? Aujourd'hui, today, je me tiens comme oracle de Dieu. I stand like oracle of God. Et je déclare. And I declare, avant minuit aujourd'hui. Before midnight today, 29 personnes reçoivent un miracle inattendu. 29 people receive an unexpected miracle. Ta manière de dire amen là prouve que tu crois à l'oracle. Amen. On va faire deux prières. We are going to carry on two prayers. Première prière. First prayer. Seigneur, pardonne-moi. Lord, forgive me. Parce que je blaguais avec les oracles. Because I joke with oracles. Seigneur, aie pitié de moi. Lord, have mercy on me. J'ai commencé à minimiser tes ouanges. I started despising your anointing. Oh, 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 regardez-moi. Oh, oh, look at me. Même si le pasteur là n'est pas de la cathédrale de la foi. Even if that pastor is not from the faith cathedral. Ne parlez jamais mal d'un pasteur. Never you speak in an evil way of a pastor. Que ce soit vrai ou faux. Let it be true or false. Même si c'est un prêtre. Even if it is a priest. Fermez votre bouche. Close your mouth. Ce n'est pas vous qui l'avez appelé. You are not the one that called him. Allez écouter la parole de Dieu. Go and listen to the word of God. Chacun rendra compte à Dieu. Each one shall give account to God. Arrêtez les choc 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 choc. Stop gossiping choc 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 choc. Si tu n'es pas content. If you are not happy. Comme a dit l'une des plus grandes possédées du Cameroun. When they will say one of the greatest possessed of Cameroon. Saute et cale en l'air. Jump and remain in the air. Nous allons prier. We are going to pray. Frère, je suis là pour préparer le chemin pour ce soir. I'm here to prepare the way for tonight. Si ton cœur n'est pas pur, if your heart is not pure, les hommes qui ont reçu, comme les hommes comme ceux-là vont venir et tu vas recevoir. How do men like this one come? What are you going to receive? Je veux que tu baisses la tête. I want you to bring down your head. S'il te plaît, ce n'est pas les prières qu'on crie. On va crier le deuxième. It is not prayer that we cry. We shall Seigneur, cry. Seigneur, pardonne-moi. Lord, forgive me. Seigneur. Lord, pardonne-moi. Forgive me. J'ai parlé contre l'oracle. I spoke against the oracle. Seigneur, Lord, dans ma fâcherie. In my anger. Seigneur, Lord, dans mes droits humains. In my human rights. J'ai prétendu me connaître mieux que toi. I said to know more than you. C'est toi qui l'as appelé. You are the one that called. Même s'il a failli. Even if he failed, c'est à toi de le juger. You are the one to judge. Mon rôle, c'est de l'honorer. Is to honor him. Et c'est de glorifier ton nom and au travers de lui. Glorify your name through him. Je veux que tu parles à Dieu. I want you to speak Je veux God. Que tu parles à Dieu. I want you to speak Je to veux God. Que tu parles à Dieu. I want you to speak to God. Shabakata gazakata. Un parfum pour toi, Seigneur. S'il te plaît, parle à Dieu. Please speak to God. Seigneur, pour toutes les fois où j'ai parlé contre tes serviteurs, les pasteurs, les prêtres, les évêques, les prophètes, Seigneur, aie pitié de moi. J'ouvre mon cœur pour recevoir. À partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement de respecter et d'honorer les oracles de Dieu, de recevoir et de croire, de les respecter et de les craindre. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum de bon odeur. Devant toi, je me répands. Devant toi, je me réponds.
Arrête maintenant la main de ton voisin. S'il te plaît. La Bible dit priez les uns pour les autres. Confessez vos péchés les uns aux autres. Confess your sin to each et le Seigneur vous pardonnera. And the Lord shall forgive you. Dis à ton voisin, tell your neighbor, je suis coupable. I am guilty. Devant Dieu, je suis coupable. Before God, I am guilty. Mon frère, ma soeur, my brother, my sister, devant Dieu, je suis coupable. Before the Lord, I am guilty. J'ai parlé contre les oracles de Dieu. I spoke against the oracles of aujourd'hui, God. Je demande pardon à Dieu. Today, I ask forgiveness to God. Et je te demande pardon, mon frère, ma soeur, aie pitié que la grâce de Dieu me touche. En ce jour, premier dimanche du mois d'août, je prie pour un nouveau commencement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Lève la main droite maintenant. Mauvaise parole. Every bad word. Qu'un oracle a prononcé contre ta vie et ta famille. Que ça soit annulé aujourd'hui. Let it be annulled today. T'en amenez pas fort. Amen. On va faire une seule prière. We are going to carry on one prayer. Toutes les conséquences et les mauvais esprits qui ont suivi ces paroles dans ma vie. All que ça s'arrête. The bad spirit that followed this in my family. Dis, oh Dieu. Non, 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 ce n'est pas le cri de quelqu'un qui a offensé un oracle. This is not the shout of somebody that offends an oracle. Je devais vous demander à chacun un peu. I have to ask you. Donc quand il te demande de crier, seulement crie bien. So when I ask you to shout, oh Dieu! Je lève ma voix devant toi pour demander pardon. Chaque fois que j'ai parlé contre ton oracle, et ce matin, sous la lumière de ta parole, je me lève spirituellement contre toute mauvaise parole qu'un oracle a prononcée sur ma vie, sur ma famille. Sur mes enfants, sur mon travail et sur ma santé. Oh Dieu! Oh Dieu! Tout esprit démoniaque qui poursuit cette parole est arrêté aujourd'hui, est jugé aujourd'hui. Pendant que je prêche, en frappant les mains, je renverse la malédiction là. Et je chasse l'esprit. Je renverse la malédiction. Et je chasse l'esprit. Je renverse. Rabakata Gaza. Et rebranche à ta mala. Parole à Gata Gata. Parakata Kazikata. Et parabacha ta mala. Rekata Kazoko. Je renverse. Je renverse. Je renverse. Libère ma vie. Libère ma famille. Libère mes enfants. Oh Dieu, oh Dieu, association,